La longueur. Comment ça va les gens, on est de retour sur la carrière de Franco le meneur. On est enfin au All-Star Weekend. On va pouvoir faire les stars et jouer avec les meilleurs joueurs de NBA avant de les affronter en playoff. On va commencer là par le Rising Star Challenge. Pour ma barre pour passer à 94, on y est bientôt. Regarde les pourcentages là, on n'est pas loin. On est à 94 justement, enfin quasiment 95. Donc vers la fin du All-Star Weekend, on devrait être pas mal. On devrait être là genre 98 ou 99. J'ai monté pas mal de pourcentages en faisant des matchs de rec en live sur Twitch. N'hésite pas à me follow sur Twitch pour les prochaines fois où je ferai des lives, mais bref. Lançons-nous dans le game. Hall of Fame 12 minutes, tu connais. C'est parti. Rising Star Challenge. Le match des rookies. Et des sophomores. Sophomores deuxième année. Rookie première année. Franco meneur, peu importe l'année, il va les rafaler. Team USA. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas sophomore contre rookie. Ça fait longtemps qu'ils ont laissé tomber ce truc là, c'est USA contre Team Monde maintenant. Attends, je suis même pas titulaire là. J'ai vu mon nom nulle part, ni dans Monde ni dans États-Unis, frère. Eh, si je suis titulaire au All-Star Game et pas pour le match des rookies, c'est n'importe quoi, frère. Dis-moi que c'est juste un bug et que je suis titulaire. Dis-moi que mon nom va apparaître dans LCD 5. Enfin, dans le 5 majeur. Ah ouais, je suis vraiment pas dans le 5. D'accord. Logique. Je suis titulaire dans le 5 majeur du All-Star Game, capitaine. Et je suis pas dans le 5 du match des rookies, deuxième année. Attends, je suis dans quel team? Je suis dans la Team Monde? Non, USA, pardon. Attends, mais j'ai mis quoi? J'ai pas mis France quand j'ai créé le perso? Je suis pas dans le monde? Ou bien c'est parce qu'il a l'histoire de l'universitaire et tout, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis américain. Attends. Ah non, j'ai mis Wake Forest. Maintenant, je me rappelle quand je l'ai créé. En l'honneur de Chris Paul, ouais, je me rappelle, parce que j'ai fait un meneur et que, ouais. Ah ouais, j'ai mis Wake Forest, pas France. Tu me demandes si tu mets France, si ça te met dans la Team Monde ou pas. Ou si ça te met quand même dans la Team USA en mode... Je pense que si tu mets un pays en dehors des États-Unis, ça doit te mettre dans cette team-là. Hein. Ah, dommage, j'aurais dû mettre France. Tant pis. En plus, on joue avec Marcus Young, oh là là, regarde-le. Pourquoi? Donne-moi la balle. Voilà, tu la prends pas. Allez, oup, première action. Ouf! Magnifique. Un peu dommage que c'est Marcus Young qui fait la passe, mais c'est pas grave. Le showtime est là pour ce All-Star Game. Oh, Ben Simmons. Ah ouais. Tu l'as laissé passer. Erreur fatale. Petit 3 points. Oh oui. On domine ça, mais oui. La petite célébration. Bah alors. Attends, on a des célébrations du parc, là, dans le... Les célébrations, je les ai jamais dans un match NBA, là. Et comme c'est le Star Game, t'as des célébrations un peu plus décalées, un peu plus détendues, un peu plus coupées, décalées. Ok, on a fini le premier carton. Ce match va faire mon petit échauffement pour le vrai match des étoiles, dans ce All-Star Game de Charlotte. Là, c'est le match des jeunots, des jeunes pousses, des débutants, des espoirs. Allez, hop, tout seul. Oh yeah! C'est ça. Franco le meneur, Franco le dunker, tu me connais. Bang bang! Regarde la célébration! Ça, normalement, c'est la célébration que t'as dans le playground. On les respecte même pas. C'est stylé qu'ils aient fait ça. Mais il y a une célébration dans le playground où tu tapes un salto arrière. Ça veut dire si j'avais mis ça, j'aurais fait ça sur le terrain là. Oh, regarde qui on a en face de nous. Franck Ntilikina. Duel français. Oh, Ntilikina, qu'est-ce que tu vas faire? Faire la passe à Doncic. Bon choix. Il la récupère. T'es obligé de tirer. Jamais. Ok, on est devant. Let's go. Toi, viens. Viens ici. Viens ici. Viens achever ta destinée. Viens rencontrer ton destin. Sous la forme d'un humain. Qui, avec ses deux mains, t'a posté doucement. Fallait que je mette un peu d'accent pour faire rimer tout. 58-43, on les fume. Ok. Ah, maintenant, mon adversaire direct, c'est Luka Doncic. Après Ntilikina, le rival pour le rookie de l'année, Doncic. Dans la vraie vie, c'est sûr et certain que c'est lui qui va être le rookie de l'année, mais là, face à le meneur, il n'y a pas de challenge. On est là pour arracher le rookie de l'année et le MVP. On ne fait pas les choses à moitié. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Doncic? Viens me défendre. Que fais-tu? C'est pas que j'ai le tir toxique 2.0 entre mes mains, là? Hein? Ouais, je t'attends, c'est quoi cette passe? Ouh, la cheville. Let's go. Une petite cheville par-ci, une petite cheville par-là.
Qu'est-ce qu'il fait par terre lui? Allez hoop! Et j'ai même pas capté ce qui s'est passé, j'ai juste vu un mec s'allonger gros. Bien vu Allen et ton afro. Maintenant que j'y pense, comme je suis pas titulaire, il va pas me faire finir le match, si? Mais oh, c'est tellement n'importe quoi que je suis pas titulaire, frère, je comprends pas le délire. Jamais. Quoi, Franck? Ok, on commence le quatrième. Attends, pourquoi avec 8 minutes j'ai mis 12? C'est de ouf. Ouh, Doncic. Je suis trop loin, mais. Vas-y, c'est pas grave, fallait que je tente. J'étais bien trop loin. Encore un? Oh là là! Merci. Cette fois, il a mis ses mains par terre carrément. Ah ouais, là, c'est vraiment un cassage de cheville. Je suis sur le bord. Oh, je le savais, je le savais. J'en étais sûr, frérot. Oh, la haine. J'en étais tellement sûr. Ils m'ont à peine fait jouer. Oh, l'escroquerie. Bang. Bon, bah, on a gagné, hein. On n'a pas participé trop, mais... On a fait ce qu'il fallait faire. Je comprends toujours pas pourquoi j'étais remplaçant, mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Es la vida. Victoire de la Team World. Petit échauffement pour le vrai All-Star Game. C'était rapide, c'était léger. En plus, je sais pas pourquoi les cartons, ils étaient en 8 minutes alors que j'ai mis 12, mais... On a mis nos petits 27 points, tranquille, en sortie de banc. Ils ont mis qui? Ils ont mis Marcus Young, frère. Marcus Young, s'il te plaît. En titulaire, à notre place. Soyez sérieux. Ah, on gagne 0 maille... Ah, on gagne aucun mes points avec ça, avec le All-Star Game et tout? Ah ok, bah, clairement, j'aurais pas les pourcentages après le All-Star Game. Je savais pas que ça marchait comme ça. Je passerai à 94 après le week-end, le All-Star Weekend. Mais c'est normal, ça, qu'on gagne 0 ou c'est moi qui ai eu un bug? Genre, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez eu 0, si vous avez joué ça. Man, Shaq. Shaq, how you keep getting in my place, man? I told Spinelli not to let you in anymore. Who? Qu'est-ce qu'il fait? Il a ramené du KFC? Dis parfait, reste frérot. And why am I eating barbecue chicken on your couch? That's a good question. Why are you eating barbecue chicken on my couch? You don't know the answer. This is the opponent, man. Every time you see an opponent, you just say to yourself, barbecue chicken alert, barbecue chicken alert, barbecue chicken alert. Okay. You eat your opponent like barbecue. Eat them. Okay. And then you lick your fingers. You let them know, you barbecue chicken to me. Oh. Okay, okay, I feel what you're saying. So, I just take you a don't piece get of... If you don't get your hands away from my barbecue chicken, this is mine, go get your own. Frère, right t'es pas là pour partager, t'es chez moi. Yeah, let me go remember, do that. Remember, barbecue chicken alert. Hey, barbecue hey, man, chicken alert. At least bring... Shh, barbecue chicken alert. Frère. Bref. Allez, Jean, sur ce, merci d'être là. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. À la prochaine. I don't know where I'm going, but I hope I'm on the right path. Life will hit you with a light jab. Mike Tyson, strike back.